بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, troisième jour du mois du calendrier égyrien, ce qui correspond au 4 février 2022 d'après le calendrier grégorien. Le mois de Rajab est le septième mois du calendrier égyrien. Il fait partie des mois sacrés en islam. Mais hormis cela, il n'existe pas d'autre moyen d'observer tous ces mois par un jeûne pour une raison quelconque. Ceci est synonyme d'hérésie. Néanmoins, tout celui qui observe habituellement des jours spécifiques par le jeûne peut normalement faire ses jeûnes, que ce soit pendant le mois de Rajab ou dans d'autres mois du calendrier égyrien. Notre hadith de ce jour a été rapporté par Aïchatou, la mère des croyants, et dont voici le contenu du hadith. An Aïchata radiallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna al-abda idha atarafa bi dhanbih, thumma taba, taba Allahu alayhi, rawahu al-Bukhari. Notre hadith du jour a été rapporté par Aïchatou, la mère des croyants et épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah l'agré, ainsi que tous ses autres épouses, ainsi que ses compagnons, en disant ceci. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna al-abda idha atarafa bi dhanbih, thumma taba, taba Allahu alayhi. » Si un serviteur reconnaît ses péchés et demande pardon auprès de son Seigneur, il lui pardonnera certes. Telle est une brève traduction de ce hadith, que Dieu nous fasse comprendre de plus. Donc, chers frères et sœurs en islam, à travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que tout serviteur qui commet des péchés et qui reconnaît les avoir commis et qu'il demande pardon auprès de son Seigneur, après avoir regretté les péchés commis, certes Dieu est miséricordieux et pardonneur. Dans le Saint Coran, Dieu a dit « Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun » Et repentez-vous tous devant Allah subhanahu wa ta'ala, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Que Dieu nous fasse comprendre de plus. À ne pas oublier qu'aujourd'hui nous sommes un vendredi. Il faut donc beaucoup multiplier la prière sur notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le temps et spécialement en ce jour du vendredi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Telle est une formule de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on peut faire. Et il faut lire aussi la sourate Al-Kahf, c'est-à-dire la caverne. Ainsi, il est fortement recommandé d'aller à la mosquée très tôt, après avoir pris une douche, s'est parfumé, porté de jolis habits. Et ces deux derniers ne sont valables que pour les hommes, car pour les femmes, il est strictement interdit pour elles de se parfumer et porter des jolis habits quand elles sortent de chez elles pour aller à la mosquée ou au marché ou bien au travail. Si elles doivent le faire, eh bien qu'elles le fassent dans leur foyer. Ainsi, il est préférable d'aller à pied à la mosquée, car ceci vous donne plus de récompenses. Que Dieu nous donne la possibilité de pratiquer tout ceci. Je prie notre Seigneur qu'il accepte nos pardons, qu'il efface tous nos péchés, qu'il nous mette ainsi dans sa miséricorde infinie, ici-bas et à l'au-delà. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée, et là où nous avons fait erreur, qu'il nous les pardonne. Je prie notre Seigneur qu'il puisse pardonner à tous nos morts musulmans, qu'il repose en paix. Et nous qui sommes encore en vie, qu'il nous fasse vivre une vie pieuse, qu'il nous fasse mourir en pleine foi, qui ne nous tiennent pas rigueur et que la mort nous soit un repos total. Les musulmans qui éprouvent des difficultés de la vie, à savoir la dette, les soucis, le chagrin, la pauvreté, la maladie, etc., puisse Allah leur venir en aide, car c'est à lui qu'appartient la solution à tous les problèmes. Je prie enfin notre Seigneur, le Très-Haut, le très miséricordieux, de nous faire demeurer sur la sunna de notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam.
qui nous préserve de l'hérésie, c'est-à-dire la bid'a, et qu'il exauce tous nos voeux d'ici-bas et de l'au-delà, de la facilité. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته